Lorsque j'étais en emploi, j'étais encore salariée et que je me posais des questions sur comment est-ce que je voulais voir ma vie, sur ce que je voulais vraiment faire de ce que je gagnais comme argent. Est-ce que ça me suffisait pour vraiment terminer ma vie comme je le voulais? Est-ce que je me posais plein de questions? J'ai une amie arabe qui m'a dit, Tatiana, tu dois savoir que dans la vie, certes, il y a des riches et des pauvres, mais les riches choisissent d'être riches et les pauvres choisissent d'être pauvres. Je lui ai dit, mais de quoi tu parles? Elle m'a dit, ce n'est pas un hasard si les riches s'enrichissent toujours et si les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Parce que dans la vie, il y a ceux qui agissent et ceux qui réfléchissent. Et ceux qui agissent, ce sont les riches. Ceux qui réfléchissent, ce sont les pauvres. Si tu choisis d'agir, de changer ta vie maintenant, tu feras partie de ceux qui auront accompli ce qu'ils veulent pour leur vie, ce qu'ils veulent pour leur destinée. Si tu choisis de réfléchir pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, tu feras partie de ceux qui n'auront que des regrets à la fin de leur vie. C'est à toi de décider. Et ça va passer par le fait que tu dois monter un business. Les amis, je vais vous donner dans cette vidéo des clés que moi j'ai utilisées pour vaincre ma peur d'entreprendre et vous dire comment est-ce que vous devez vraiment considérer les choses lorsque vous voulez passer au côté droit du cadran de cash flow, comme le dit Robert Kiyosaki. À tout de suite. Lorsqu'on veut monter un business, la plupart de ce que les gens se demandent, c'est combien d'argent j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin de 5 millions, de 10 millions pour monter mon business? Je n'ai pas d'argent, je n'arrive pas à me lancer. Qu'est-ce que je fais si je n'ai pas d'argent? Vous savez, le problème de l'entrepreneur, le problème de l'aspirant, de celui qui n'arrive pas à se lancer, ce n'est pas le capital. D'autres se cachent derrière, je n'ai pas assez d'argent. Ce n'est pas ça. C'est de savoir si tu es prêt mentalement à te lancer. Est-ce que tu es prêt mentalement? Est-ce que tu as accepté le fait que tu ne veuilles plus gagner de l'argent une fois par mois et que tu veux gagner de l'argent maintenant tous les jours? Est-ce que tu es prêt à l'accepter? Est-ce que tu es prêt à te sacrifier pour atteindre cette liberté financière-là? Est-ce que tu as épousé l'idée de savoir que tu changes de méthode, tu changes de vie? Si tu es prêt à l'accepter, tu auras fait un pas vers la liberté. Un pas vers la liberté. Le problème avec ceux qui ont peur d'entreprendre, si tu me regardes et tu te retrouves dans ce cas, il faut que tu te dises la vérité à toi-même. Souvent, bien souvent, ces personnes-là se catégorisent. A, je n'ai pas assez d'argent. B, je viens d'une famille pauvre. C, je n'ai pas fait assez d'études. D, je n'ai pas de soutien de ma famille. Je n'ai pas de soutien de mes amis. Je n'ai rien. Je ne peux rien faire. Personnellement, j'ai décidé de ne plus répondre aux mails de gens qui me disent, je suis pauvre, ma famille n'est pas riche, donc je ne peux pas entreprendre. Parce que pour moi, une personne qui se considère comme pauvre va le rester. Si tu te considères comme pauvre, tu as beaucoup de chances de rester dans le même état 5 ans plus tard. Mais si tu acceptes de changer de mentalité, de te voir comme une personne prospère, une personne riche, une personne qui fait de l'argent en entrepreneuriat, tu débloques quelque chose dans ton cerveau. Le fait que tu sois né pauvre n'est pas le problème. Mais c'est comment est-ce que tu vois la pauvreté, comment est-ce que tu vois ta situation. C'est ça le problème. Donc, le fait est que ces personnes-là qui se disent qu'ils n'ont pas d'argent et tout, voient le manque d'argent comme un frein ultime, comme une barre, un mur qu'ils ne peuvent pas franchir. Je vais vous dire, à votre avis, je devinette. Combien est-ce que moi j'ai utilisé pour commencer mon business? Il y a plusieurs exemples qui montrent que les entreprises qui commencent petit terminent grandes. OK? Qui commencent petit terminent grandes. On a le cas d'Amazon, le cas de même Zuckerberg qui a débuté dans sa chambre à Harvard. Moi, j'ai débuté mon business dans une pièce de 10 mètres carrés. Si un jour, je vais vous montrer la photo. Mais qu'est-ce que je savais? Je savais que le plus grand potentiel, que ce n'était pas l'argent, c'était moi. OK? Personnellement, je conseille de commencer un business petit. Parce que si tu commences un business petit,
tu as la capacité de gérer ces ressources-là, de te dire que, ah oui, j'ai que 50 000 francs, j'ai que 10 000 francs, j'ai que 20 000 francs. Tu sais où chaque centime rentre. Pendant que celui qui commence avec 10 millions, 20 millions, il fait des largesses, il ne gère pas bien les choses et tout, il se dit qu'il a le choix, ça peut lui coûter cher. Toi, tu as les yeux et la lucidité de du peu d'argent que tu gères. Ironie du sort, lorsque j'avais un capital pour me lancer, j'ai perdu tout cet argent. J'ai tout perdu. Et lorsque j'ai commencé sans argent, avec très peu le minimum, je n'avais qu'assez pour payer ma connexion Internet, j'ai généré mes premiers revenus en business. Et ça, ces exemples-là, j'ai un mentor qui a commencé un business avec 9 millions, il a fait faillite. Et son entreprise, qui lui a permis d'être un entrepreneur à succès aujourd'hui, il a commencé avec moins de 20 000 francs. Donc, démarrer un business, lorsque vous n'avez pas d'argent et que vous voulez démarrer un business, vous êtes à la bonne adresse. Vous êtes à la bonne adresse. Vous avez un point en plus pour réussir. Ne vous dites pas que vous n'êtes pas privilégié par rapport aux autres, etc. Tout le monde a les mêmes chances. Et de plus, c'est vous la plus grande richesse, c'est vous la machine. Dites-moi, est-ce que vous êtes prêt à vendre votre jambe pour avoir 5 millions, à vous couper le bras pour avoir 5 millions? J'imagine que la réponse est négative. Si vous n'êtes pas prêt à le faire, c'est que tout simplement, vous êtes la plus grande richesse. Vous valez mieux que ces 5 millions. Vous valez mieux que ces 10 millions. Parce que c'est vous la machine. Si vous êtes là, vous pouvez travailler pour avoir cet argent. Et moi, ça, je l'ai compris très vite. J'ai compris très vite que, malgré que je n'avais pas les millions, j'avais ma bouche et mes mains. Tu as ta bouche et tes mains. Il y a des gens qui me suivent qui ont des talents extraordinaires. Extraordinaires. Même savoir parler, c'est un talent. Même savoir parler, c'est un talent. Si tu sais parler, il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Maître de cérémonie. Tu peux même créer ta chaîne YouTube. Je ne sais pas ce qui vous limite. Vous pouvez faire toute chose lorsque vous avez vos mains et votre bouche. Ce n'est pas une question d'argent. Donc, lorsque tu as ces deux capacités-là, quelle peur est-ce que tu as à te lancer? Tu réduis les risques. L'entrepreneur, sa capacité, c'est de réduire les risques, mon ami. C'est de réduire les risques. Tu dois réduire les risques, femme d'affaires, homme d'affaires. Lorsque tu réduis les risques, tu es plus confiant pour te lancer. Lorsque tu es conscient que c'est toi la plus grande richesse, même si tu vas faire des petits plats à vendre le matin, tu seras consciente que avec ta vision, ce petit plat-là deviendra un grand restaurant. Fais baisser les risques. Aie confiance en toi, en cette petite capacité-là que tu as. J'ai eu confiance au petit talent de monteuse vidéo que j'avais et j'ai commencé à vendre mes services de formatrice en montage vidéo sur Internet. J'ai commencé à vendre les produits des gens pour avoir de l'argent, pour avoir des commissions. Je me suis constitué un capital. Tu dois avoir la capacité de te constituer ton capital. Lorsque tu auras cette capacité-là, tu verras que les choses viendront d'elles-mêmes. Tu seras en mesure de gérer les choses. Dans le livre L'homme le plus riche de Babylone, il a été mentionné que lorsque vous avez le capital, vous économisez, vous arrivez à économiser votre capital, vous avez économisé 1 million, 500 000, 100 000 francs, vous devez veiller sur ce tort-là. Ça, c'est le processus de création de richesse. Veillez sur l'argent que vous avez économisé. Et comment? En investissant dans un domaine sûr, un domaine que vous connaissez, un domaine que vous maîtrisez. Raison pour laquelle, avant de vous lancer, d'investir dans un domaine, lorsque vous avez le capital, vous devez bien sûr vous former. Si vous ne vous formez pas, vous allez échouer 7 fois 77 fois. Vous allez échouer 7 fois 77 fois parce que le business, ce n'est pas le hasard. Certes, d'autres, il y a le facteur chance. Mais ce n'est pas le hasard. Si vous vous formez et que vous avez les bonnes clés, vous réduisez les risques. Vous aurez tout pour réussir. Et vous devez être prêt à cela. Vous devez veiller sur votre or. Ce n'est pas une affaire de, ah oui, j'ai réussi à économiser de l'argent. Je suis maintenant en business. Est-ce que je vais me lancer dans, parce que j'ai entendu que tel business marche? Non. Lorsque vous vous formez,
vous faites partie de ceux qui agissent et qui agissent de façon intelligente. De façon intelligente, parce que vous veillez sur ce que vous avez économisé. Vous ne laissez pas s'effriter dans n'importe quel business. Vous voyez, il y a des personnes qui entendent tel business qui se lance, et au final, ils n'arrivent pas à faire un point clair de combien d'argent est-ce que j'ai gagné dans tous ces investissements dans lesquels je me suis lancée. Vous devez avoir les bons choix. Vous devez faire les bons choix, vous devez prendre les bonnes décisions. Si vous ne prenez pas les bonnes décisions, c'est très probable que dans 5 ans, vous serez au même point. Si je n'étais pas passée à l'action, je serais toujours en train de me plaindre dans mon travail. Je ne serais pas devant vous aujourd'hui en train de parler. Je n'aurais pas formé plus de 100 entrepreneurs aujourd'hui. Je n'aurais pas vraiment fait ça. Ok? Vous devez le faire. La peur, lorsque vous baissez les risques, il n'y a pas de peur. La peur n'existe pas. Ok? Ce n'est que les risques qui font peur. Et vous avez la capacité de baisser les risques. Passez du côté de ceux qui agissent. Laissez ceux qui réfléchissent. Vous ferez partie des gagnants de la loterie du succès en 2020. Alors, on se dit, les amis, à la prochaine vidéo. Ciao.